Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Bien-aimé, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons Emmanuel est son nom et Emmanuel est son nom. Elohim est son nom. Le nom Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin encore dans le nom de Jésus. Quelle gloire, quelle joie de vous retrouver. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Nous vous aimons et nous vous disons merci pour votre temps que vous consacrez pour nous, pour prier avec nous tous les matins, que l'Éternel des armées vous bénisse. C'est une joie de savoir d'avoir un peuple qui prie avec nous. Nous sommes encouragés par cela. Quand nous voyons comment vous partagez ces temps de prière à vos familles, nous sommes encouragés par cela. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Soyez réellement bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier encore. Hier, je vous ai parlé de Deutéronome 28 et ce matin, j'ai envie de continuer dans ce passage-là. Deutéronome 28, nous sommes arrêtés hier au verset 6 qui disait que l'Éternel bénira notre aller et notre retour. Ce matin, nous allons continuer au verset 7. Amen. Ces deux jours, nous allons le prendre pour demander la bénédiction de Dieu sur nos vies. C'est vrai que nous pouvons attaquer tout le temps, prier pour prendre autorité. Mais il y a un côté de Dieu aussi qui est un côté de bénédiction. Alléluia. Demain, nous allons voir un autre côté. Le Dieu d'amour, le Dieu de bénédiction là, est un Dieu de feu aussi. Demain, nous allons prier pour ça. Que le feu de Dieu descende dans nos familles pour détruire les choses. Nous allons le prier demain au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons prier à partir du verset 7 de Deutéronome 28. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ah, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Par le nom de Jésus. Ce matin, tu vas déclarer la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, je te rends grâce pour ta parole dans Deutéronome 28, verset 7. Tu as dit que l'Éternel, tu as dit dans ta parole que tu me donneras la victoire sur mes ennemis qui se lèveront contre moi. À cette fin d'année, tout ennemi qui va s'élever contre moi, Père, je déclare dans le nom de Jésus que j'aurai la victoire sur eux au nom de Jésus. Je vais les écraser selon la parole de Dieu. Je vais les écraser et je déclare que je vais marcher sur toute leur puissance dans le nom de Jésus. Le maraboutage n'a pas d'effet sur moi. Les gris-gris n'ont pas d'effet sur ma vie. Les incantations n'ont pas d'effet sur ma vie. Tout esprit maléfique et démoniaque qui viendront contre moi en cette saison, je le déclare par la puissance du sang de Jésus qu'ils vont s'enfuir par sept chemins au nom de Jésus. Tout esprit de famille qui va s'élever pour réclamer ma vie en cette fin d'année, Papa, je déclare dans le nom de Jésus que cette réclamation n'aura pas d'effet sur ma vie au nom de Jésus. Toute réclamation sur ma vie est anéantie et détruite par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Il dit par et il vient contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Toute organisation maléfique et démoniaque, rassemblement des sorciers et des sorcières de ma famille, ce matin je déclare au nom de Jésus que vous allez venir contre moi par un seul chemin, mais vous allez vous enfuir par sept chemins parce que le feu du Saint-Esprit va vous poursuivre au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit va vous poursuivre. La parole de Dieu dans le livre dans le même passage, le verset 7, le verset 8 maintenant dit, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Hey, ça c'est une promesse.
L'Éternel des armées ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Ce matin, tu touches ta tête, tu dis, je réclame cette parole pour ma vie. L'Éternel des armées ordonnera à la bénédiction financière, matérielle et spirituelle, sanitaire et dans tous les domaines, de s'attacher à ma vie au nom de Jésus. Toi, bénédiction venant du trône de Dieu, ce matin, je te reçois dans ma vie. La parole de déclare que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Dans ma maison, il y aura l'abondance. Dans mon lieu de travail, il y aura l'abondance. Les fruits, les œuvres de mes mains seront bénis. Les fruits de mes entrailles seront bénis. Mes enfants seront bénis au nom de Jésus. Ma famille sera bénie dans le nom de Jésus. Il dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes entreprises, il te bénira. L'Éternel nous bénira. Là où tu es, demande à la bénédiction de s'attacher à toi. Que la bénédiction de s'attache à toi. Que l'Éternel te donne des nouvelles ouvertures en cette saison au nom de Jésus. L'Éternel des armées donne-nous des nouvelles ouvertures, des sources de bénédiction, des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles, des bénédictions sanitaires. Que la bénédiction de Dieu, des cieux s'attache à notre vie au nom de Jésus. Tu as dit que tu vas ordonner à la bénédiction d'être avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons au verset 11. Le verset 11 dit, Deutéronome 28 toujours, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Ah, alléluia. Il dit que les fruits de tes entrailles vont se multiplier. Appelle à la multiplication ce matin. Qu'il y ait multiplication dans tes entreprises, multiplication dans tes finances, multiplication dans la santé, multiplication dans la faveur, multiplication dans la grâce de sur toi au nom de Jésus. L'Éternel des armées accomplit sa parole. Il est dans sa parole. Il est ce Dieu qui est dans sa parole. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Ce matin, ta main accomplit des grandes choses dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous partons au verset 12. Le verset 12 dit, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Amen. Tu n'emprunteras point. L'Éternel va t'ouvrir son bon trésor. Il y a un trésor dans les cieux. La Bible déclare que l'Éternel va ouvrir son bon trésor. Papa, en cette saison, en ce mois d'octobre, novembre et décembre, pour rentrer dans 2021, papa, que le ciel s'ouvre ma vie, sur ma vie. Que le ciel s'ouvre ma vie. Ta parole dit dans Deutéronome 28, le verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Papa, libère l'abondance dans ma vie. Que ma famille expérimente l'abondance. Que ma famille expérimente la bénédiction financière, matérielle et spirituelle. Change, Seigneur, mon Dieu, notre vie. Change notre statut, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons terminer par ce verset 13. Alléluia. Le verset 14, nous allons l'ajouter. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu seras à la tête et tu ne seras jamais à la queue. Déclare cela. Papa, je déclare ta parole ce matin. Que je serai toujours à la tête, je ne serai jamais à la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Dans le nom de Jésus. Papa, mon pasteur ne sera jamais en bas. Il sera toujours à la tête. Ma famille ne sera pas en bas. Ma famille sera en haut. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de l'Éternel est notre portion. Nous le déclarons et nous le recevons en ce jour dans le nom de Jésus. Le verset 14 dit, et que tu te détourneras ni à gauche ni à droite. Si tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous ces commandements que je te donne aujourd'hui pour aller vers d'autres dieux. Papa, nous déclarons que nous n'allons pas servir nos ennemis. Nous n'allons pas servir les dieux étrangers parce que tu es notre Dieu dans le nom de Jésus. Éternel des armées, nous remettons nos familles entre tes mains, notre journée entre tes mains dans le nom de Jésus. Que ton feu soit relâché.
qu'il y ait une muraille de protection autour de nous en cette fin d'année, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous t'aimons. Nous te disons merci. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.